tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer la suite d'Amour Sucré. Donc nous étions à l'épisode 6 la dernière fois et donc là on continue, on fait l'épisode 7. Et est-ce que je vois ça se passer chez Mélodie? Comme on est hyper content, non? Moi je suis ravie. Bref, c'est parti. Épisode 7, pyjama party. Mais... attends, je vais voir. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons, forcément. Pourquoi pas. Peut-être quelques informations intéressantes à glander pendant cette soirée. Comment c'est? Merci beaucoup, il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine. Elle aussi est vieux. Elle va tout raconter à Ambre. Elle raconte tout à Ambre. Je suis sûre que dans ton prochain épisode, elle va faire Ambre, elle va faire. Alors, t'as fait une pyjama party. Bref, Iris, Rosalia et Violette. Ah, oh bah tiens, Capucine, waouh, génial. Salut Emilio, je fais son anniversaire ce soir, tu peux y venir? Oh non, tu y vas aussi? Si j'avais su. Oh. Ah, t'en as parlé alors? Il vient de me donner mon invitation, j'espère. J'espère qu'elle a... attends. J'hésite parce qu'elle a... lui rendre immédiatement. Si t'as pas envie de venir, hein, ne viens pas. Hein. Ce n'est certainement pas moi qui va t'obliger. Hein. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton fusil. Espère toujours, hein, connasse. Un petit mot en passage. Oh, on lui sort. Salut, Lisandre. Ah, le voilà. Déjà là. Et voilà. T'aurais pas une idée de cadeau? Ça dépend quand... ça dépend pour qui? C'est pour Mélodie? Non, aucune idée, hein? Ah, il faut absolument que je trouve quelque chose! Mais c'est qu'elle mordrait? Oh là 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 là! J'ai repris des points avec... Lapin, 5 euros. Voilà, j'ai un appel. Je voulais prendre des toutous, mais bon. À savoir une petite conversation avec Nathaniel. Allez, viens, c'est mon petit que je te... Jetez-moi les abréviations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as regardé dans mon dossier? J'ai bien été obligé, oui. Qu'est-ce que tu rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, c'est sa forme confidentielle. Si tu ne m'avais pas menti, je n'aurais pas été obligé d'y aller regarder. Non, c'est de ta faute. Ce n'est pas une liste valable. Alors pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu étais toujours été... pourquoi tu n'as pas été toujours été le parfait délégué?
parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'est pas que de la turbulence, qu'est-ce que tu vas faire là, si c'est de vous. Désolé, ça ne te regarde vraiment pas. Je fais tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Alors, il a parlé, hein. Non, il n'a rien voulu me dire. Ça doit être agent. T'es pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déconne pas, je te le dis. Je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu ne pouvais pas me le dire avant. Je trouve ça marrant de te voir chercher partout pour rien. Tu m'énerves. C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur sans savoir pourquoi. Il le faisait les pires vacheries. Et une fois, alors qu'ils étaient au parc, il a cassé sa poupée préférée. Nathaniel ? Oui, Nathaniel. J'étais aussi au parc et Henri n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant. Je n'imaginais pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien que si il me rend sa poupée, c'était quand même gentil de sa part, même si c'était pour ses oreilles. Ah, ben oui, mais c'est mignon. Oh, elle était mignonne, quand même. Elle m'a pas lâché ensuite, et ça dure... Je dors. Elle ne m'a pas lâché ensuite, et ça dure depuis tout ce temps. Marrant, hein. Quand je t'ai dit que ça tombe pour rien, que ça tombe amoureuse pour rien, les filles, c'était sa préférée. Elle a dû vraiment être contente que tu l'aies réparée.